Comment avoir la pioche FNCS 2.0? Elle ressemble à ceci. Vous pouvez le voir à l'écran. Je vais vous montrer comment le faire grâce déjà à HXD. Déjà, si vous n'avez pas installé le, ça ressemble à ça. Vous pouvez l'avoir sur internet, hein. Chercher HXD, c'est bon. Ce qui va nous intéresser, ça va être dans ouvrir. Soit ici. Et là, vous avez plein de bug chunk. Là, vous en foutez. Vous copiez-collez ce qui sera dans la description. Soit. Bon, dans la description, vous copiez-collez, ça fait ça. Voilà, ok. Ouvrir. Vous avez plein de langages hexadécimal, soit binaire. Ce qui va nous intéresser, ça va être dans rechercher. Recherche. Valeur hexadécimale, là. Toutes. Et là, vous copiez-collez la première ligne de code qui sera dans les commentaires ou dans la description. Ok, vous copiez-collez par exemple, c'est bon. Moi je copie-coller sur depuis ma vidéo. Je fais ok. Et là on l'a trouvé. Là c'est la pioche de base que nous allons modifier. On va prendre la valeur de la pioche FNCS qui sera en bas. Après with the vis avec mon compte par les étoiles en anglais. Vous recopiez-collez. J'avais déjà tout fait en avance pour être tranquille. Et après vous faites coller en écrasant. Et après vous faites CTRL S. C'est bon, vous avez fini. Bref, les gars, très important, n'oubliez pas, hein, faut tout le temps que le launcher Epic Game pendant que vous faites HXD et tout soit fermé. Vous allez le lancer, mais là, très important. Quand le jeu se lancera, voilà, comme ça, vous relancez Epic Game. Et s'il y a une analyse des fichiers, en fait, vous l'annulez. Parce qu'en fait, ça va voir qu'il y a une petite erreur dans ce qu'on a changé. Mais c'est pas grave, vous pouvez pas vous faire bannir, il n'y a aucune raison d'être ban. C'est un mod, quoi. C'est comme Minecraft. Vous pouvez pas vous faire bannir, vous attendez juste là au cas où. C'est juste qu'en fait, ça va réinitialiser, ça va remettre la pioche de défaut. Il va rien avoir, vous allez perdre aucun skin, rien du tout. C'est totalement sécur, regardez. Hop, fermé, annulé. On peut fermer Epic Game, on attend que ça se charge, et voilà. C'est vraiment très simple, les gars. Je comprends pas comment on peut pas réussir. Je vous ai tout montré, c'est très simple. Et normalement, après là, on aura la pioche FNCS 2.0, les gars. Ok, on est sur notre compte. Pioche de base FNCS 2.0, les gars. La 2.0, on l'a maintenant. Là, on aura plein d'autres tutos. Alors, si vous voulez avoir plein d'autres tutos sur d'autres skins, n'hésitez pas à t'abonner, quoi. Allez, ciao, c'était Lucanox.